parler de Jésus. Et alors que nous voulons vous parler de Jésus, on aimerait dire quelque chose. Évidemment, il y a tellement à dire concernant Jésus, mais ce matin, nous voulons rester sur un point particulier, c'est sur cette simple définition Jésus donne le repos. Jésus donne du repos. Et c'est Jésus lui-même qui nous dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, Matthieu chapitre 11 verset 28, Jésus dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous avez peut-être déjà entendu cette déclaration, c'est peut-être la première fois, mais on aimerait ce matin prendre le temps un petit peu de rentrer en détail dans cette déclaration où Jésus invite, où Jésus dit viens, où Jésus dit venez, venez à moi, si vous êtes fatigués, si vous êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Jésus donc invite ceux qui sont fatigués et chargés. Est-ce que vous êtes fatigués et chargés ce matin Fatigués, fatigués et chargés. Dans Matthieu 9, à un moment donné, Jésus va voir la foule comme étant fatiguée, chargée. Regardez Matthieu 9, 35. Jésus parcourait villes et villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait. Toutes les maladies et toutes les infirmités. Son cœur fut rempli de pitié, de compassion pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Jésus voit la foule, et quand il voit la foule, il voit pas juste des hommes, des femmes, des visages, des couleurs et des grands, des petits. Non, non, il voit des gens qui sont là fatigués et découragés. Et si nous regardons la foule qui est autour de nous, si nous regardons le monde dans lequel nous sommes, est-ce que nous sommes capables de voir des gens fatigués et découragés Et Jésus va dire qu'ils sont fatigués et découragés et ils ressemblent à un troupeau qui n'a pas de berger. Personne ne prend soin d'eux, ça veut dire ça, un troupeau qui n'a pas de berger. Il n'y a personne pour prendre soin d'eux. Il n'y a, a, a personne pour, pour les soigner. Il n'y a personne pour les nourrir. Il n'y a personne pour les aimer. Un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à ses disciples, au verset 37, il dit alors à ses disciples, la moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. Et quand Jésus dit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, c'est parce qu'il vient de constater et de souligner le fait qu'il y a une foule qui, sont, qui est là fatiguée et découragée. Et il y a besoin d'ouvriers, il y a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour dire Laisse-moi te parler de Jésus. Il y a des besoins d'hommes et de femmes qui se lèvent pour dire Écoute, tu es fatigué, tu es découragé. Jésus est le bon berger. Jésus est celui qui veut te donner du repos. Et Jésus dit, parce que la foule est là fatiguée et chargée, c'est nécessaire que des ouvriers se lèvent, que des ouvriers rentrent dans cette moisson, parce que la volonté de Jésus, c'est pas de laisser une foule fatiguée et chargée, mais c'est de, de donner du repos. Alors on dit fatigué, fatigué par quoi Fatigué, découragé, chargé par quoi Alors, premièrement, le point A, on pourrait dire fatigué par le voyage, simplement par la route. La vie, c'est un voyage qui est fatigant. Non? Non. Les jeunes disent pas en toutes. Ceux qui ont plus de 80 ans disent c'est vrai. Rien que le fait dans la vie, il n'y a jamais rien qui vous a fatigué. Non? Vous n'avez jamais un travail qui fatigue, un, des enfants qui fatiguent, des voisins qui fatiguent, toutes sortes de choses qui fatiguent, qui irritent. Et vous savez, le fait d'être fatigué par le voyage, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est tout à fait naturel. Et Jésus lui-même a déjà été fatigué par le voyage. Je veux dire, Jésus, non, c'est un super-héros. Pourtant, regardez Jean, chapitre 4, verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Jésus est fatigué du voyage. Parce que quand on marche, ça fatigue. Quand on, quand on, quand on avance, quand on... Il y a toutes sortes de choses, et la vie amène à son lot de fatigue. Et cette fatigue a rien de mauvais en soi. Elle est naturelle, elle est normale, et il faut s'y attendre. Et ne soyez pas surpris d'être fatigué quand vous travaillez, non Que faire, que pelleter la neige, ça fatigue, c'est normal, non Même si vous avez une souffleuse, ça peut fatiguer quand même. Je sais pas, enfin, je sais pas trop, j'ai jamais fait ça, mais suppose. Mais le voyage fatigue. Et il n'y a pas un problème ici d'être fatigué par le voyage. Mais Jésus dit si tu es fatigué et chargé, eh bien il y a du repos pour toi. Parce que malheureusement, attention à toi. La fatigue peut te conduire à faire de mauvais choix. Et des fois, parce qu'on est fatigué, on fait un mauvais choix. Regardez, Genèse chapitre 25, c'est l'histoire. Eh bien, euh, de Jacob. Genèse 25, 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Il a travaillé fort dans les champs à tel point qu'il est accablé, pas seulement fatigué, mais accablé de fatigue. C'est une grosse fatigue, ça. Hein Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, donc de ta cuisine, de ce roux-là, car je suis fatigué. Et pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Edom. Et Ésaü, parce qu'il est accablé de fatigue, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a travaillé dans les champs, et il n'y a pas de mal à être fatigué parce qu'on a travaillé dans les champs, c'est normal d'être fatigué quand on travaille. Mais parce qu'il est fatigué, il est là comme dans une situation de faiblesse, et il est prêt à tout donner pour manger de cette bonne cuisine. Et il sera même prêt à renoncer à son droit d'aînesse, à renoncer à la bénédiction de Dieu, parce que la fatigue lui donne de ne pas voir les choses normalement. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui, quelqu quelqu qui est saint, quelqu'un qui est euh, sage, ne va pas vendre son héritage pour un cheeseburger mais c'est ce que fait Esaü. Il est prêt à donner tout son héritage, son droit d'aîné, pas seulement la bénédiction, mais son droit d'aîné. Et comprenez que le fils aîné avait une double portion de l'héritage. Donc il est prêt à renoncer à son héritage pour manger un plat de lentilles. Waouh, il y a quelque chose qui marche pas là. C'est pas logique, c'est pas cohérent, mais quand on est accablé de fatigue. On fait des choix qui ne sont pas logiques et des choix qui ne sont pas cohérents parce que la fatigue nous accable et nous amène à voir les choses d'un mauvais point de vue. Et si ce matin tu es accablé de fatigue, si ce matin tu es fatigué à l'extrême, fais attention à tes décisions, à tes choix. Vous savez, comme quelqu'un qui dirait tellement fatigué que je ne peux pas aller à l'église. Il faut que je me repose. Et peut-être quelqu'un nous regarde sur Internet et dit, c'est vrai que j'aurais peut-être dû aller à l'église, peut-être pas. Écoute, accablé de fatigue, des fois cette fatigue nous amène à faire de mauvais choix. Ou à renoncer. On dit, ah, je ne peux plus lire ma Bible. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas prendre du temps dans la présence de Dieu. Je suis trop fatigué. La fatigue n'est pas mauvaise en soi, puisque c'est normal et naturel mais peut te conduire à faire de mauvais choix. Ne laisse pas ta fatigue te détourner de Dieu et renoncer à la bénédiction de Dieu. Cette fatigue-là, Jésus l'a connue et Jésus n'a pas laissé cette fatigue l'amener à faire de mauvais choix. Et même l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 4 verset 15 que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus a connu cette fatigue, Jésus a connu la lassitude, Jésus a connu cet extrême découragement, si on peut dire les choses ainsi, mais il n'a pas laissé cette fatigue et ce découragement l'éloigner du Seigneur. Il a su persévérer. Ne lâche pas. Ne laisse pas ta fatigue t'amener à voir les choses d'une manière démesurée. Vous savez, des fois, on est tellement fatigué qu'on a l'impression qu'on ne peut pas soulever un petit poids. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. C'est que la fatigue t'amène à voir les choses d'une manière démesurée qui ne correspond pas à la réalité. Ne laisse pas ta fatigue t'amener à voir les choses qui ne sont pas vraies. Ne laisse pas la fatigue laisser des mensonges prendre place, mais. Crois simplement ce que le Seigneur veut te dire ce matin. Il veut te donner du repos. Un repos qui va te permettre de voir les choses convenablement et tu vas plus être terrorisé, accablé, angoissé à cause de ta fatigue, mais tu vas au contraire dire en lui j'ai un repos. Il prend soin de moi. Il veut t'aider. Dans Ésaïe chapitre 13, on a déjà comme ce principe-là. De quand Jésus dit vous tous qui êtes fatigués chargés venez à moi vous aurez du repos déjà le prophète Ésaïe parlait de la même manière si on peut dire ainsi au peuple d'Israël regardez Ésaïe chapitre 14 verset 3 et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations vous avez noté que des fois c'est paradoxal on est fatigué et on s'agite après tes fatigues et tes agitations L'Éternel veut te donner du repos. Et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, Et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Celui qui causait ta fatigue, celui qui était là comme un tyran, un oppresseur, eh bien le Seigneur veut te donner du repos et il n'est plus. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa stupeur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Et le verset 7 nous dit Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Et ça, c'est le plan de Dieu pour votre vie vous faire jouir et vous, vous donner cette joie de repos et de paix. Éclaté en sandales de Auprès de lui, il y a un, un repos. Auprès de lui, il y a la paix. Il est celui qui veut. Euh, je vais inventer un mot. En fait, je ne sais pas si je vais l'inventer. J'ai appris ça quand j'étais petit. C'est, un mot qu'on utilise au Sénégal. On, on sait, vous connaissez le verbe fatigué. Au Sénégal, il y a le verbe défatiguer. Donc, le <laughs> Seigneur veut te défatiguer. Il veut enlever cette fatigue. Pas te donner la paix, te donner du repos. Il y a une fatigue, mais en lui, il y a une force, il y a un secours, il y a un repos. La fatigue peut être donc là simplement due aux, aux aléas de la vie, parce que c'est la route, parce que c'est le chemin. Il y a des chemins qui sont plats, il y en a d'autres, ça monte, ça grimpe et ça fatigue davantage. Et, et chacun a une route peut-être différente. Certains vont passer par un chemin qui, a, qui était fatigant. Et, et tu dis, je suis fatigué parce que le chemin par, le, par lequel je suis passé est fatigant. Et, et c'est correct, c'est normal d'être fatigué. Il n'y a, a, a pas à culpabiliser par rapport à ça. Mais le Seigneur est celui qui veut t'encourager et t'amener te, te, à, à une paix, à un repos et ne pas laisser cette fatigue te conduire à faire de mauvais choix. La fatigue peut être due à la tristesse aussi. Et c'est quelque chose qu'on qu voit. La tristesse peut accabler de fatigue. Dans Luc chapitre 22, verset 45, je lis dans la Bible en français courant, il est dit qu'après avoir prié, il se leva, revint vers ses disciples et il les trouva endormis, épuisés de tristesse. La tristesse peut nous amener à nous endormir et la tristesse peut même conduire à l'épuisement. Sa fatigue d'être triste. La tristesse ne repose pas. La tristesse fatigue. Et quand on est là accablé de tristesse, quand on est rempli de tristesse, cette tristesse conduit à l'épuisement. Et il y a besoin de repos. Dans Néhémie chapitre 8, verset 10, on voit là qu'il y a beaucoup de tristesse. Il dit, allez, et le prophète Néhémie amène à un autre discours. Il dit... Sortez de votre tristesse quelque part en disant « Allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et si on lit ça dans la Bible en français courant, l'orchestre s'ajoute, ainsi de suite, et la, la deuxième partie du verset « Ne soyez pas dans la tristesse ». Ne soyez pas dans la tristesse, la joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. D'un côté, il y a la tristesse, le contraire de la tristesse, c'est la joie. Et s'il y a de la tristesse dans ton cœur, le Seigneur veut mettre de la joie. S'il y a comme cet esprit de, de deuil, vous êtes là dans la tristesse comme dans le deuil, comme dans le, la peine, le Seigneur veut mettre de la joie dans ton cœur et ce que le prophète néhémie dit ici c'est que cette joie sera pour toi une force la joie de l'éternel sera votre force une force qui vient du seigneur cette joie qui vient du seigneur vous donnera de la force vous savez la joie la tristesse amène de la fatigue et la joie amène de la force quand il y a cette joie du Seigneur dans notre cœur, eh bien, ça vient nous, nous dire que tout est possible. Et cette joie nous amène à, à, à être prêts à, à avancer, à aller de l'avant, parce qu'on se réjouit en lui, en lui parce qu'on on met notre foi en lui, parce qu'on est enthousiaste, parce qu'on on, s'attend à avoir de grandes et de belles choses parce qu'on se réjouit pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous et on n'est plus là dans un état de lassitude dans un état de fatigue mais on est dans un état de waouh tout est possible à Dieu il est ma force il est ma joie il est mon secours et la bonne nouvelle ce matin c'est que Jésus dit encore aujourd'hui parce qu'on a vu que Jésus a pas changé hein il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et quand Jésus disait au temps de l'évangile, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, ça marche aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, Jésus veut te dire, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, je veux te donner du repos. Que tu sois fatigué par la route, que tu sois fatigué à cause de la tristesse, une tristesse qui là te ronge, qui t'accable. Seigneur veut te donner une joie, une joie qui donne de la force. Transformer le chant de lamentation, de deuil, en chant d'allégresse. Vous allez dire, oui, mais j'ai des raisons d'être triste et, et j'en doute pas. Et on ne veut pas remettre en question ces raisons de tristesse. Il y a des situations dans la vie qui peuvent nous accabler, nous amener à être tristes, être dans le deuil, dans la douleur, de la séparation. Et c'est normal d'être triste, mais que cette tristesse ne t'épuise pas, ne te ronge pas. Le Seigneur est celui qui veut consoler ton cœur. Et la consolation, c'est là comme une cicatrice. Euh, on peut avoir une blessure, mais la blessure doit pas rester ouverte toute ta vie. On peut avoir une blessure, mais que cette blessure guérisse, cicatrise. Il y aura toujours une marque, il y aura toujours une trace. Parce qu'il y a des choses qui ne se remplacent pas, il y a des, des, des choses qui ne se réparent pas, mais quand c'est guéri, ça fait plus mal. Et c'est ça la différence. La joie du Seigneur amène en sorte que ce qui nous faisait mal autrefois, nous fait plus mal aujourd'hui. Il transforme cette tristesse en joie et on est capable de se réjouir à nouveau parce qu'il nous donne cette force, ce repos qui vient de lui. Dans Ésaïe 61, on reste dans le prophète Ésaïe encore. Voilà ce que le prophète pouvait dire de la part du Seigneur. Il dit Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Et puisse le Seigneur être pour vous ce matin encore une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qui m'accorde est un habit dont il me vêt et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre. J'ai la joie du jeune marié qui a mis son turban sur sa tête ou de la fiancée parée de ses bijoux. » Messieurs, la joie du jeune marié, ça vous rappelle quelque chose ah, C'est vieux, ça. Pour certains, c'est plus récent. Est-ce que, est que le jeune marié est, est joyeux avec son turban Non, mais plus de turban, on met ça. Sa tuque ou sa casquette, je ne sais pas, mais... La joie du jeune marié qui met son toxédo pour aller à la cérémonie de mariage. Wow. C'est joyeux, un jeune marié, non Non La mariée est la plus belle et c'est lui qui l'a eue. La plus belle d'entre toutes et c'est lui qui l'a eue. Wow. Et le prophète dit, le Seigneur me donne cette même joie. Et, et les dames disent oui, mais Je ne sais pas ce que c'est que la joie du jeune marié. Bon, alors on va du côté de, de la fiancée. La fiancée parée de ses bijoux. Waouh La bague de fiançailles avec un gros diamant. Non Quelqu'un dira Oui, mais moi, mon fiancé m'a donné du toc. Mais... Imaginez la fiancée qui reçoit ses bijoux, qui dit Waouh, il m'aime. Il a tout donné pour moi. J'imagine la joie de la fiancée, Anne-Marie Berceau, qui dit Waouh, mon fiancé a tout vendu pour m'acheter une bague de fiançailles. Il a vendu, il avait travaillé fort pour s'acheter un studio, un système de son, un synthétiseur, des ordinateurs. Il a tout vendu pour la bague de fiançailles. Waouh! C'est qui m'aime. Et le Seigneur dit La joie de la fiancée parée de ses bijoux, elle est pour toi aussi. La joie du jeune marié qui a mis son turban de fête, elle est pour toi aussi. Et cette joie, elle vient d'où? Elle vient du Seigneur. Et quand on s'approche de lui, vous savez, le psaume dit Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et quand Jésus t'invite, il dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, je te donnerai du repos. Il est celui qui veut t'accorder cette joie, non pas être accablé, fatigué de tristesse, mais il veut te donner de la joie ce matin. Une joie qui est la plus grande de celles qu'on peut avoir, et pas seulement le jour du mariage, mais tous les jours de ta vie, tu peux goûter à cette joie-là. Et le Seigneur veut être cette joie, cette force en toi, te communiquer cette joie. Il est, le Seigneur est pour moi une source de joie débordante, peut dire le prophète. Troisièmement, la tristesse peut être due à cause de la culpabilité. La culpabilité amène la tristesse. Vous savez, quand on a fait quelque chose de pas correct, et ça vient nous ronger, et cette culpabilité-là, vient nous, euh, nous accabler, nous fatiguer et nous épuiser. Et c'est ce qu'a vécu le roi David. Le roi David avait fait quelque chose de pas correct. Il avait pris la femme d'un autre. Et pas seulement ça, elle était enceinte. Et pas seulement ça, il fait tuer le mari de cette femme pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et pas seulement ça. Il dit rien à personne. Wow. Et le prophète David, le pro, euh, oui, d'une manière prophétique, mais le roi David peut dire dans ce psaume 32, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Parce qu'il a vécu pendant des années, enfin ou des mois plutôt. Il a vécu pendant des mois cette période de de poids, de fardeau, de fatigue, à cause de son péché, à cause de sa culpabilité. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui a changé. La transgression est remise, le péché est pardonné. Et il dit là, ça a changé. Et il y a du bonheur, et on peut être heureux quand c'est comme ça. Verset 2, Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et David peut dire tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Pendant que je disais rien, que je gardais mon péché pour moi, que je gardais ces choses secrètes, mes os se consumaient. J'étais à l'intérieur comme accablé, rongé par le remords. Et je gémissais toute la journée. Et peut-être certains sont dans cette situation aujourd'hui d'être là comme rongé par le remords, la culpabilité, et gémir toute la journée. Et au verset 4, il dit, la nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, il se sentait coupable, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Mais il dit au verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Et c'est ça qui a tout changé. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, je n'ai pas caché ma faute, je n'ai pas caché mes, mes erreurs. J'ai dit, j'avouerai, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et David peut dire, un jour, un moment précis, la peine, le poids, le fardeau que j'avais à cause de mon péché a été effacé, enlevé, ôté. heureux l'homme, et là il comprend et il dit, il y a une joie, il y a un bonheur, il y a un repos. mais il dit ça s'est passé comment? j'ai fait connaître à dieu. j'ai reconnu mes torts. j'ai avoué mes transgressions. j'ai pas dit non, non, c'est pas moi, je suis pour rien, je ne suis pas coupable. j'ai avoué. j'ai reconnu et tu as effacé la peine de mon péché. Peut-être quelqu'un dira ce matin mais moi je ne suis pas concerné, je suis coupable de rien. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 3 verset 10. L'écriture le déclare donc il dit voilà ce que dit la Bible. Il n'y a pas d'homme juste pas même un seul. Il dit encore il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Et comprends ce matin que ce message dit simplement que tous sont coupables. Et que vis-à-vis -vis de Dieu, qui est parfait, qui est grand, qui est suprême, qui est saint, que devant Dieu, personne ne peut dire, moi, j'ai rien à me reprocher. Dieu a des choses à te reprocher. Tu ne veux peut-être pas les voir, tu ne veux pas les reconnaître, tu ne veux pas les avouer, et tu es coupable devant Dieu. Coupable d'avoir enfreint la loi de Dieu, d'avoir transgressé les commandements de l'Éternel. Coupable d'avoir tourné le dos à Dieu, et de ne pas avoir obéi à sa parole. Et l'apôtre Paul dit, il n'y en a même pas un qui fait le bien, pas même un seul, tous sont coupables. Alors quelqu'un dira, mais alors la bonne nouvelle c'est que finalement, on n'est pas si coupable que ça. Non, 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 non. La Bible dit, tu es coupable et tu l'es vraiment. Quelqu'un dira, oui, moi je me sens accablé par, par ma culpabilité, par mon péché, j'ai du remords, j'ai de la peine par rapport à ce que j'ai pu faire de mal. Est-ce que vous êtes en train de me dire ce matin que la bonne nouvelle, c'est que finalement ce que j'ai fait, ce n'était pas si grave Non, non, je suis en train de dire, c'était grave ce que tu as fait. Et on ne peut pas dire, ce n'était pas grave. On ne peut pas dire, non, non, mais pour Dieu, ça ne compte pas. Ça compte pour Dieu. Mais, mais, mais Dieu ne l'a pas vu. Dieu l'a vu. Mais alors, il n'y a pas d'espoir. Non, non, la bonne nouvelle, c'est que Jésus sait tout le mal que tu as fait. Jésus sait que c'est grave et on ne va pas diminuer la, la gravité de, du mal que l'on aurait pu faire. On ne va pas effacer comme ça l'erreur en disant finalement, allez, on fait comme s'il ne s'était rien passé. Il s'est passé de quoi Et on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour laver, effacer, purifier. Il est venu pour payer. On avait une dette vis-à-vis -vis de Dieu. Et à cause de notre culpabilité, à cause de notre péché, à cause de nos erreurs, de nos transgressions, on est reconnu coupable devant Dieu. Il n'y a pas un juste, tous sont coupables. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu payer à notre place. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul au, verset 8, au chapitre 8, verset 1er. Il dit, maintenant que Jésus a... A payé à notre place, il était notre justification, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On était condamnés, coupables, condamnés à une peine éternelle. Mais Jésus est venu payer à notre place afin qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si ce matin tu es comme accablé, fatigué par le poids de ta culpabilité, en disant, je suis coupable, j'ai fait tellement de mal, j'aurais jamais dû faire ça, je suis coupable. Et tu es là comme rongé, accablé, comme David qui disait, mes os se rongeaient au-dedans de moi. J'étais là jour et nuit, accablé par le remords et, et à la pensée du mal que j'avais fait. Jésus appelle aujourd'hui encore. Et il dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je vais te donner, je veux te donner du repos. Et si Jésus te donne du repos. Ce pas parce qu'il va te dire ce que tu as fait, ce n'est pas grave, mais c'est parce qu'il veut porter à ta place le poids de ton péché. Et c'est ce qu'il fait à la croix du Calvaire. Il prend sur lui le poids de ta condamnation afin que tu puisses avoir ce repos, cette paix, cette, ce soulagement. Il, il te décharge parce qu'il s'est chargé lui-même. Alors Jésus dit qu'il donne le repos, et on va dans ce deuxième point. Jésus donne le repos. Le repos, c'est un concept qu'on voit dès le début de la Bible. Vous vous souvenez de la Genèse, ce récit de la création, et on a déjà ça dans Genèse chapitre 2, verset 2. Il est dit que Dieu, donc le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, Dieu fait, agit, il dit. Et, 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 et il dit et ça s'accomplit. Et il dit que après avoir achevé son œuvre, Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. Est-ce que Dieu était fatigué Je ne pense pas. Est-ce que Dieu peut, peut se fatiguer Non. Mais il y a là comme un principe qui est donné. Et il y a un repos qui est donné le septième jour. Et on sait comment dans la Bible ensuite, et euh, le peuple juif particulièrement, va s'appliquer à, à conserver ce, ce principe d'un jour de repos. Et ça va s'appeler le sabbat. Shabbat. Le sabbat, c'est donc un jour de repos. Dieu lui-même s'est reposé le septième jour. Et sur ce principe-là, nous sommes appelés nous aussi à nous reposer. Et c'est un principe biblique. Quelqu'un qui travaille, travaille, travaille et ne se repose jamais bah, va faire un burn-out et va brûler et se brûle. Et Dieu attend qu'on se repose aussi. Non? Est-ce que vous travaillez 7 jours sur 7? 24 heures sur 24? Il y a des machines qui sont capables de faire ça, mais humainement parlant, on est appelé à prendre du repos et à ne pas dépasser ses limites. Et non seulement dans la vie de tous les jours, non seulement dans le quotidien, mais aussi spirituellement. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 4, verset 10. Dans Hébreux chapitre 4, verset 10, on reprend donc cette notion, ce concept qu'il y avait dans la Genèse et la création. Il est dit, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des cieux. Il a dit que donc Dieu s'est reposé de ses œuvres, mais toi, tu es invité aussi à entrer dans le repos de Dieu. Et il y a un repos si tu es fatigué, parce que quand on se repose de ses œuvres, c'est parce que ses œuvres t'ont fatigué. Et si tes œuvres, ton ouvrage t'a fatigué, le Seigneur t'invite à rentrer dans un repos, te reposer de la fatigue de tes œuvres. Et le verset 11 nous dit... Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en, tombant, en, en donnant pardon, le même exemple de désobéissance. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux fait une invitation euh, expresse, il dit, empressons-nous donc, il faut entrer dans ce repos. C'est quelque chose à prendre avec sérieux, pas à la légère. Dieu, lui, s'est reposé le septième jour. Il y a un repos de Dieu pour toi. Jésus t'invite à un repos. Il dit Viens à moi et je te donnerai du repos. Alors, euh, l'invitation est comme euh, refaite ici euh, aux Hébreux et nous voulons la refaire ce matin en disant Empressons-nous donc, arrêtons. Euh, pourquoi ne pas entrer dans ce repos C'est important, c'est capital. Ne laisse pas passer cette invitation quand Jésus dit ⁇ Je veux te donner du repos ⁇ Empresse-toi d'entrer dans ce repos. Pourquoi continuer à vivre dans la souffrance Pourquoi continuer à vivre dans la fatigue, dans le découragement, dans l'épuisement, dans l'accablement, alors que Jésus veut te donner du repos Pourquoi continuer à mourir de soif alors que Jésus veut te donner à boire et c'est gratuit, et il te l'offre. Tu diras, oh non, non, moi j'aime bien mes soucis, j'aime bien mes tracas. Vraiment Le Seigneur t'offre un repos. Je reviens dans Matthieu 11, 28, ce qu'on a lu tout à l'heure en introduction, et on va prendre le contexte. Jésus dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos, dans la Bible en français courant. Il dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. Est-ce que tu es fatigué de porter un lourd fardeau, d'avoir quelque chose de lourd sur tes épaules, que ce soit la culpabilité, que ce soit juste la fatigue de la vie, que ce soit, eh bien, la tristesse ou toutes sortes de choses. On aurait peut-être pu donner encore d'autres exemples. Mais si tu es fatigué de porter ce lourd fardeau, Jésus t'invite à un repos. Et le verset 29 peut être paradoxal. Il dit, prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont du mal avec ça. En disant, mais venir à Jésus pour avoir du repos, mais c'est encore plus contraignant. Quelqu'un dira, mais croire en Jésus, ça veut dire, vous dites pour du repos, mais moi, pour moi, le repos, la liberté, c'est ni Dieu ni Maître diront certains. Et certains diront mais comment le repos ça peut être de prendre un joug c'est encore un autre fardeau ça. Comment le repos ça peut être avoir des instructions moi je veux être libre de faire ce que je veux et eh bien justement Jésus dit que le repos c'est de laisser Jésus te conduire et te diriger. Le repos c'est de le laisser être en charge. Jésus voit une foule qui est fatiguée découragée Lassés, parce qu'ils les voient comme étant des brebis qui n'ont pas de berger. Mais la brebis qui dirait non, non, mais moi, avoir un berger, un berger qui me dirait va à droite, un berger qui me dirait tourne à gauche, un berger qui, qui dirait t'es mal coiffé, là, il faut que je te repeigne. Et il y en a qui disent mais moi, je ne veux pas de berger, je veux être une brebis libre, une brebis qui va d'aventure en aventure, qui fait sa vie toute seule. Mettez une brebis toute seule dans la nature. Elle a quoi pour se défendre, la brebis Une brebis, par définition, n'a rien pour se défendre. Vous avez déjà vu un combat avec une brebis Comment la brebis euh, combat contre les loups, contre les ours, contre... Une brebis n'a aucune défense. Et c'est de la folie de dire, non, non, moi je vais m'en sortir par moi-même. Et Jésus nous compare à des brebis. Et le bon berger n'est pas là pour embêter la brebis. Le bon berger n'est pas là pour dire à la brebis, écoute, maintenant c'est moi le chef, tu fais ce que je veux. Le bon berger est là pour dire à la brebis, suis-moi. Je vais t'emmener dans de verts pâturages. Je vais t'emmener près des eaux paisibles. Je vais te protéger de tout danger. Et il y a trop de personnes aujourd'hui qui pensent que suivre Jésus... C'est être sur un chemin de contrainte, d'obligation. Mais suivre Jésus. C'est aller vers de verts pâturages et près des eaux paisibles. Elle dit, oui, mais je suis obligé de le suivre. Je ne fais pas ce que je veux. Si tu fais ce que tu veux, tu te retrouves dans un désert mangé par des loups. C'est vraiment ça que tu veux Non, non, mais je suis capable, dit la brebis. Je suis capable de me défendre contre des loups. J'ai lu un manuel de kung-fu. <laughs> Essaye. Mais dans la vraie vie, tu n'as pas 36 chances. Hein? Et suivre Jésus, pour certains, c'est contraignant. Mais pour nous qui l'avons suivi, on peut rendre témoignage, dire, attester, reconnaître. Et quand on suit Jésus, c'est pas difficile. c'est pas pénible. Et on n'a rien à perdre. On gagne tout. Parce qu'il n'est pas un mauvais maître. Il n'est pas celui qui nous impose toutes sortes de choses difficiles mais il est celui qui donne du repos et qui nous conduit dans le vert pâturage près des eaux paisibles. Dans la religion, ce n'est pas pareil. Et Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 23, verset 2, et comprenez qu'ici, je parle de venir à Jésus, je ne parle pas d'être là dans un, un concept religieux, parce que là, déjà au temps de Jésus, il y avait ce problème. Déjà au temps de Jésus, il était dit, Jésus dit, les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Ils sont là pour expliquer ce que, Moïse, ce que Dieu dit au travers de la loi de Moïse. Et dit, vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir. Jésus dit, les chefs religieux, ils disent des choses qui sont correctes parce que c'est la parole de Dieu, mais surtout, faites pas comme eux. Est-ce qu'on serait capable de dire ça aujourd'hui de certains conducteurs religieux en disant ils disent des choses vraies ils disent des choses justes mais ne les imitez pas mais ne les imitez pas n'imitez pas leur façon d'agir c'est triste quand il y a certains hommes religieux qui se retrouvent en prison pour immoralité parce qu'il y a eu des façons d'agir qui sont scandaleuses maintenant est-ce que ça veut dire que tout le monde est, agit parfaitement euh, Certainement des choses que je fais qu'il ne faudrait pas imiter, je ne sais pas, je ne suis pas parfait. Mais on essaye de marcher dans les voies de Jésus. Mais ce que nous disons ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas un homme qu'il faut suivre. Ce n'est pas un chef religieux qu'il faut suivre. C'est Jésus. Parce que là, ces chefs religieux imposaient, et il dit au verset 4, ils attachent de lourds fardeaux difficiles à porter, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Ils disent ces hommes religieux font des règles, des prescriptions, des prescriptions, des lourds fardeaux qu'ils mettent sur les épaules de leurs fidèles. Et eux-mêmes refusent de les porter. Eux-mêmes refusent de bouger un doigt et pour les aider à remuer ces fardeaux. Vous savez, le message de l'Évangile, ce n'est pas un fardeau lourd et difficile à porter. C'est quelque chose de facile, doux et humble. Et Jésus dit, euh, léger. Un fardeau doux et léger, facile à porter. Et ça, c'est ce que Jésus nous propose. Alors, comprenez que je fais bien une différence entre tout ce qui est principe religieux, et je ne parle pas d'une religion en particulier, je parle de tout ce qui est humain, quelle que soit la religion, qu'on soit euh, euh, catholique, euh, euh, protestant, euh, orthodoxe ou qu'importe. Mais je suis en train de dire, il ne s'agit pas ici de loi d'homme. Mais quand c'est la loi de Dieu, quand c'est venir à Jésus, c'est pas difficile. Et si quelque part vous trouvez ça difficile, c'est que qui est-ce que vous êtes en train d'écouter si quelqu'un trouve que de venir à l'Église, c'est difficile, si quelqu'un trouve que de marcher dans la vie chrétienne, c'est difficile, on peut se poser la question de dire, mais tu écoutes qui Un homme Un, un groupe Un mouvement Une Église Des principes religieux Ou tu écoutes Jésus Enfin, je ne sais pas si je suis le seul ou s'il y en a qui peuvent dire, non, non, mais c'est vrai pour moi aussi, quand on suit Jésus. On a cette joie du jeune marié ou de cette fiancée. Et il n'y a rien de difficile. Et l'apôtre Jean peut dire dans sa, trois, dans sa première épée, de chapitre 5, que ses commandements ne sont pas pénibles, parce qu'on l'aime. Et son fardeau est doux et léger. Alors en conclusion, j'arrive à la conclusion. En conclusion, et je vais directement lire ça dans la Bible en français courant, Actes, chapitre 3, verset 18. Cette conclusion, c'est un discours que l'apôtre Pierre a donné. Et voilà ce que l'apôtre Pierre peut dire. « Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Il avait dit que son Messie, le Christ, devait souffrir. » Et donc il dit « Si, vous soyez pas surpris que Jésus soit mort à la croix, c'était annoncé. » Mais il dit « Changez donc de comportement, repentez-vous. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu. » Pour qu'il efface vos péchés. Et il dit au verset 20 Alors le Seigneur fera venir des temps de repos et vous enverra Jésus le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous. Il fera venir des temps de rafraîchissement il fera venir des temps de repos. Mais pour avoir ces temps de repos, l'apôtre Pierre est très explicite les choses sont claires. Il dit Premièrement, repends-toi. Premièrement, change de comportement, tourne-toi vers Dieu, mets ta foi en lui, renonce à ce qui est mauvais et il te donnera ce repos, ces temps de rafraîchissement. Et c'est ce qu'on souhaite pour chacun ce matin. Est-ce qu'on peut prier ensemble Seigneur, nous voulons nous approcher de toi avec simplicité dans ce lieu. Nous réalisons que tu nous appelles que tu nous appelles à venir, celui qui est chargé et fatigué. Seigneur, quelles que soient les raisons, mais nous savons et nous comprenons que tu es celui qui a autre chose, qui a une autre dimension pour la vie de chacun. Tu es celui qui veut donner du repos, qui veut donner de la paix qui veut donner de la joie, de la sérénité. Tu es celui qui veut amener un confort, un bien-être. Seigneur, nous ne voulons pas douter de ce que tes commandements ne sont pas pénibles. Euh, nous ne voulons pas douter, Seigneur, de, 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 de ce que tu es celui qui, qui a de, de bonnes choses pour chacun d'entre nous, alors que tu nous invites à avoir un repos. Nous voulons, nous voulons simplement répondre à cet appel, à cette invitation, et recevoir de toi ce repos promis seigneur tu connais ceux qui dans ce lieu tu connais ceux qui à berthierville on passe par des moments difficiles et on a comme un, un fardeau lourd sur leurs épaules seigneur aujourd'hui simplement c'est pas venir à une église c'est pas venir à un pasteur c'est pas venir à un groupe mais c'est venir à toi et croire que ta parole est vraie aujourd'hui encore et qu'auprès de toi il y a un repos seigneur donne le courage à plusieurs ce matin de rejeter ce qui est mauvais dans leur vie, de laisser de côté les mauvaises choses, de se repentir, de changer de voie, de venir à toi simplement et de croire que tu es celui qui veut mettre de la joie là où il y avait de la tristesse, de celui qui veut mettre la paix là où il y avait la culpabilité, de celui qui veut donner du repos là où il y a la fatigue et le découragement. Seigneur, simplement, nous voulons maintenant vivre, expérimenter ces choses et Croire que cette invitation est vraie et valable pour nous aujourd'hui et recevoir de toi ton nom soit toute la gloire pour ce que tu veux faire maintenant dans ce lieu. Amen.